Regardez, un décor extraordinaire. Paris, je t'aime. Eh oui, mais on aime aussi Armada, bien sûr, notre radio, télévision. Parce qu'on est quand même regardé dans 150 pays, n'est-ce pas? Et de plus en plus apprécié, regardé, adulé par le public. Et c'est tant mieux. Merci à vous. Chers amis, une nouvelle fois, nous voilà devant les caméras pour recevoir des artistes, certes, mais des amis aussi, surtout. Voilà. Alors, je vais vous les présenter sans plus tarder. Il y a tout d'abord ici, monsieur Paul-Thierry Valette, que je demande d'applaudir chaleureusement. Bonjour Thierry, ça me fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup Christian, ça me fait énormément plaisir, parce qu'il y a aussi l'amitié, il y a ben le oui. partage. Et, on se connaît depuis un certain temps. On compte en nombre d'années maintenant. Mais tu ne changes pas, hein. Ben toi non plus. C'est vrai, hein. Exactement, on se bonifie avec le temps. Écoute, c'est comme le bon vin. Voilà, exactement. Comme le bon vin. Voilà. Alors, on va parler bien sûr de ton parcours, parcours artistique aussi, et puis on va parler de l'actualité aussi avec nos agriculteurs qui souffrent tant actuellement, et on est là pour parler parce qu'on a tous un petit peu de quelque chose de la terre, hein, de nos racines. C'est vrai, c'est important. Bien sûr, on a tous dans notre famille un ancêtre, un cousin, une grand-mère, un arrière-grand-père qui suit l'agriculture. On vient de la terre aussi, c'est important. Ce sont les valeurs, ce sont nos traditions. Et c'est pour ça qu'on se reconnaît tous et qu'on les soutient dans la crise qu'ils traversent. Parce que c'est à travers eux, c'est nous aussi. Tout à fait. C'est important de le dire. Regardez, un ancêtre. Non, je plaisante. Un vrai. C'est le patron. Il a donné la tonalité. Hein, ah, début, c'est hein. le un ancêtre. C'est le patron. C'est le boss. Moi, je trouve que tu as un visage un peu fatigué avec des cernes, là. Ah, merci, Rabat. Tu as dû sans doute hier soir donner un très beau spectacle au théâtre Galabru. Ah, merci, Rabat. Oui, ce fut très agréable. J'ai chanté. J'ai eu la participation de certains artistes, comme Frédéric Lombois, par exemple, et Wang, qui est un grand musicien. On a passé une bonne soirée. Mais je suis d'attaque pour Armada, bien sûr, comme tous les samedis de 18h à 20h. Alors, mon cher Rabat, ça nous fait grand plaisir de vous accueillir, parce que là, on se vous voit. Hein. C'est le boss. Hein. Ah ben oui. Hein. Oh, on peut se tutoyer aujourd'hui exceptionnellement. Oh, ben, absolument. Allez, absolument, on se tutoie. C'est plus facile. Mais ce n'est pas souvent, en fait, que tu interviens, que tu participes. Non, parce que depuis quelques mois, voire quelques années, je me consacre davantage au développement de cette web qui demande beaucoup de mobilisation, d'énergie, d'engagement. Et donc, je te remercie de m'inviter aujourd'hui dans un cadre un petit peu intimiste avec des artistes, des gens très passionnants. Merci. Alors, on parlait d'Armada, justement. Armada est diffusé quand même, parce qu'on pose très souvent la question, mais Armada, qu'est-ce que c'est? Tati tata, pour ceux qui ne connaissent pas. Armada, donc, c'est une radio web, c'est déjà ça. Elle est diffusée dans combien de pays? 150 pays. C'est Radio King, qui est le site national qui gère le plus de web, en tout cas les grosses web, qui envoie régulièrement des relevés hebdomadaires. Et donc, on reçoit, nous, à peu près toutes les quinzaines, des chiffres d'audience. Notre première passion, c'est pas celle-là, on court pas après, mais ça nous fait plaisir, c'est encourageant de savoir qu'on touche de plus en plus de monde. On tourne, comme tu l'as souligné tout à l'heure, entre 80 et 100 000 personnes, à peu près. Bien, hein. Et en évolution, surtout. Pardon ? En évolution. En évolution. L'intérêt, c'est que ça évolue en permanence, on stagne pas. Et on est écouté, effectivement, dans pas mal de pays. Même en Polynésie, pays. Je connais des gens à Moréa qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est ça qui est formidable. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Ah oui, oui, c'est vrai. Puis ça nous fait plaisir parce que c'est un engagement, c'est un engagement collectif. C'est toute une équipe d'animateurs, d'animatrices qui ont beaucoup de talent, qui sont eux-mêmes très, très passionnés, qui ont la flamme, qui nous rapportent beaucoup de visages emblématiques du monde de la culture, du monde artistique. Et Armada, par ce fait, porte une parole, en tout cas dans ce domaine très intéressante, et qui donne la parole, non pas forcément à tous ceux qui sont déjà connus, je disais, des visages emblématiques, mais à des nouveaux. Et alors, c'est intéressant ce croisement entre l'autre génération et la génération d'aujourd'hui. Ça produit une richesse, ça produit quelque chose d'un peu exceptionnel, dans un contexte où on cherche absolument à parcelliser, c'est notre singularité, quoi. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Regardez, l'homme à la banane. Ah ça, là, il y a du travail. Hein. Non, mais c'est super. Tu es toujours aussi jeune aussi, Chris. Hein. Ah, Chris Agulot. Je te remercie, mon cher Christian. Tu me fais un grand plaisir et un honneur de me parler comme ça, même si je sais que
Ce n'est pas vrai du tout. Soyons réalistes. Soyons réalistes, mais ça me fait bien plaisir. Ça fait plaisir quand même. Alors, vivre à longtemps, c'est important. C'est important. Il y a tout de même plus de 30 ans d'amitié entre nous. Et on s'en est dit des mensonges. En 30 ans. On s'en est dit des choses. Oui. Notre rapport est basé sur le mensonge. Il n'y a que ça qui nous plaît. Dans tous les cas, non, Christian, tu sais très bien. Ouais. C'est toujours un plaisir, voilà, Christian le pétillant. Tu sais, je t'ai toujours comparé à une bouteille de champagne, en tout cas aux bulles qui se voilà. Parce que voilà, c'est vrai, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, hein, toujours bien, frère. Voilà, Christian, c'est son pétillant. Hein. Ah oui. Oui, il est solaire, le père Christian. On alors, est content. Chris Agulo, oui. Chris Agulo, ben, c'est un artiste avant tout, bien sûr, qui fait le tour du monde. Voilà, qui chante d'une façon incroyable. Bah, c'est Las Vegas, c'est ah bah oui, ce sont des tournées internationales. Voilà, c'est l'artiste. Écoute, oui, c'est voilà, j'ai huffé tout ça. C'est moins Elvis, parce que je reste c'est Elvis maintenant, avec cette jolie voix. C'est un spectacle sur Elvis que je fais tourner voilà. depuis des années, voilà. mais maintenant qui est en train de muter parce que il faut savoir aussi se réactualiser, il faut savoir amener des choses nouvelles au public qui sympathique, qui te suit, qui vient te voir, et puis il faut savoir aussi renouveler tout ça. Et voilà, je ne fais pas que dans Elvis, c'est-à-dire que le nouveau spectacle, j'en parlerai tout à l'heure, mais il concerne un hommage à Tom Jones, à Johnny et à Elvis, évidemment. Parce que Elvis, quand même, c'est celui qui... Et toujours qui... avec tes musiciens. Toujours avec mon combien Vegas musiciens, band. Il y a combien de 14. Musiciens 14. 14 musiciens. Ah, tout de même 14. Ah bah oui, non, ah oui. Mais, même, non, non, ah oui. Non, mais c'est du lourd, là. C'est pas de la fantaisie. 14. Hein. Mais il n'y a plus, voilà, voilà les tournées comme j'ai pu le faire à une certaine époque à l'étranger. Ouais. Je me suis beaucoup calmé. Ça, c'était une décision quand j'ai eu mes enfants. C'est de moins partir, d'être tu beaucoup as préféré plus présent. Un peu oui, ce qui ne m'empêche pas de faire des choses, de vivre de mon art et de créer d'autres choses. Voilà, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais plus partir loin. Voilà, j'ai un peu stoppé quand même cette histoire-là de partir loin et longtemps. Mais bon, enfin, on peut chanter aussi en France, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Tu apportes tellement de bonheur au public, voilà, on te demande et redemande en général. Hein. C'est formidable. Pour l'instant, ça fonctionne un peu. Ça fonctionne même beaucoup. Ça fonctionne. Très humble. Mais la simplicité est la marque des grands. C'est ce que disait Charles Trenet. Oh, 1m80, c'est pas beaucoup. Et pour terminer, nous aurons un autre artiste. Il s'appelle Eddie Kelly, qui sera au théâtre Montmartre-Galabru dans très peu de temps, puisque ce sera le 17 mars à 18h30. Ah ouais, les horaires, 18h30. Hein, et le dimanche 5 mai à 19h30. Alors, tu vas nous faire rêver, tu vas nous faire voyager? Exactement, c'est mon objectif, c'est de voyager. Des musiques et aussi des reprises de variétés françaises, anglo-saxonnes et polynésiennes. Alors, tu nous viens de Polynésie, de Papété, tu habites à côté de Papété? Non, j'habitais loin, Ah, tête, oui, c'est sur l'île quand même de Tahiti, mais oui. À l'autre bout, quoi. Presqu'île. Voilà. Une heure de route. Ouais. On fait le tour de Tahiti en combien de temps? En voiture, je parle. Bon, je sais pas, je pense que c'est... 2 heures? 2-3 heures, oui. Là, actuellement, on peut plus. Approche-toi bien du micro, voilà. Voilà. Ah, actuellement, on peut plus faire le tour parce qu'il y a eu des éboulements. Ah, bah oui, les inondations là-bas. De la montagne qui a commencé à glisser. Ah oui, carrément. On ne peut plus faire le tour de l'île, ça fait un mois que c'est bloqué. Toute la circulation est bloquée. En fait. Oh, tu allais dire parce qu'il y a des tracteurs. Thierry, est-ce que tu es allé en Polynésie déjà? Non, jamais, mais j'ai un oncle, lui, qui était marin, qui a fait énormément de campagnes. Et une de ses filles, Maëva, est née justement à Tahiti, Papété. Maëva, bienvenue, exactement. Donc j'ai ce petit goût familial, un petit peu de l'exotisme. Ah ben bah, bien sûr, ouais. C'est beau la Polynésie. Nous y sommes allés 12 fois quand même, hein, pour organiser des tremplins là-bas. Ah oui, avec Théo Sulpice. 12 fois à Papété et à Moréa, surtout qu'on était... Au Tiki Village, que tu connais bien aussi. On a reçu le directeur du Tiki Village, voilà, pas si longtemps. Avec Olivier Briac. Oui, c'est extraordinaire. Alors, on va débuter avec Thierry Paul Valette. Alors, vous connaissez, tout le monde connaît Thierry Paul Valette, bien sûr. On l'a vu au moins sur un plateau de télévision.
pour une actualité quelquefois un petit peu brûlante, on va dire. Souvent brûlante. Souvent brûlante. Mais voilà, il est là, il existe, il apporte sa parole. Et ça, c'est très important. Il en faut. Alors, on va parler des problèmes des agriculteurs qui souffrent actuellement et depuis bien longtemps. Mais on s'en aperçoit aujourd'hui. Voilà, exactement. On va plutôt dire ça. Mais Thierry Paul Valette, c'est également un garçon que je connais depuis longtemps. Et c'est un artiste aussi. Voilà, Thierry Paul Valette. Bon, écoutez, il a suivi des cours de droit. On va dire la faculté de droit de Caen. De Caen, absolument. Ensuite, est antiquaire aussi. Antiquaire, et je le suis toujours. Et tu l'es toujours, antiquaire. C'est une passion avant tout. Ah oui. Et, tu as un magasin, non tu... J'ai une boutique, en ligne, voilà. Parce que moi, je suis entre la Normandie et entre Paris, et c'est vraiment dur d'avoir une boutique en physique. Surtout que maintenant, la conjoncture est assez compliquée. Puis aujourd'hui, Internet permet de travailler. Et tu vends quoi dans cette boutique d'antiquaire? Alors vraiment, des antiquités, antiquités. C'est pas du meuble, ce sont des bibelots, mais c'est aussi beaucoup d'empires, beaucoup de bronze, les bougeoirs, la dorure, les tableaux. Ah oui, la dorure, c'est très très en vogue. Dorure au mercure, hein. la marqueterie boule aussi. C'est voilà, et c'est l'art, c'est le savoir-faire français, c'est la culture, c'est la géographie, c'est l'histoire. Et j'ai envie de dire que tout se rejoint. Moi, je suis arrivé dans les combats politiques et j'ai commencé avec l'art. Parce que l'art, finalement, c'était un formidable vecteur pour lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme. C'est formidable pour le tous vivre ensemble. Et on peut se retrouver autour de valeurs communes. Et c'est pour ça qu'il faut défendre l'art. C'est nécessaire et ça manque cruellement. Et nos artistes, il ne faut pas qu'ils aient peur de s'engager. Ils doivent être engagés. On doit leur donner la parole. Tout est lié, et c'est tous ensemble qu'on peut arriver à faire bouger les lignes. Alors il y a Thierry Paul Valette, évidemment, comme je viens de dire, antiquaire, c'est vrai, Thierry Paul Valette cherché. Il y a également Thierry Paul Valette, comédien. Oui. Hein, parce que tu as suivi quand même des cours, c'est les cours Florent. Une formation de 2 ans au cours Florent. Et puis bon, après, ça a été le parcours du comédien, les castings, les rôles pour la télé, les publicités, le cinéma. Et puis après, j'ai commencé à écrire mes textes au théâtre. Je les ai joués. Le théâtre des Blancs-Manteaux. Après aussi, le théâtre de Lisieux et pas que. Mais j'ai une petite surprise, Thierry. Ah, oui. J'adore les surprises. En tant que comédien, on a une petite surprise pour toi. Ça va te rappeler peut-être quelque chose. Bah, tu es devant les caméras et c'est pour une série, me semble-t-il, pour TF1. Et on voit Thierry Paul Valette. Regardez plutôt, vous allez découvrir autrement, les amis. Je vous amène volontiers faire un petit tour avec. Alberto. Bonsoir, Agnès. Bonsoir. Alberto, en fait, voulait... Je me suis tout simplement permis de demander à vos amis de m'inviter à dîner pour faire un petit peu connaissance avec vous. Ah bah, pour une surprise... Une belle surprise, en effet. Bon, les amis, on s'installe? Ah, Agnès. T'es enfin là. Commencé à croire que tu t'étais perdue. Désolée. Tu nous en voudras pas, on a commencé à boire. Bah oui, je comprends. Je te servis un verre. Merci. Alors Agnès, Karl m'a dit que vous travaillez ensemble avec Eugénie de la bijouterie. Oui, dans la bijouterie d'Eugénie. Ah, les bijoux. Le meilleur ami des femmes, n'est-ce pas? Oui. Et puis sinon, dans la vie, qu'est-ce qui vous passionne? Le sport? Les arts? Elle adore les expos. Les expos? En ce moment, au musée d'Orsay, une exposition est super intéressante. Bah, si ça vous dit, on peut y aller ensemble. Ah, bah oui, 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 pourquoi pas. Génial. Super. Dans la cuisine, s'il te plaît? Ok. Excuse-moi, ça pourrait être... Pardon, on revient. D'accord. Chin-chin, hein? Thierry Paul Valette, toujours bien entouré de jolies charmantes compagnies. Un petit peu timide quand même, la jeune fille. Oui, un petit peu. Elle est un petit peu. Un petit peu intimidée. Et puis il faut dire aussi que je jouais un petit peu le rôle du séducteur qui s'affirme. Mais ça te va bien, je trouve, avec une petite coupe de champagne bien pétillante. Bah, exactement, mais c'est vrai que c'est quand même. Ça fait toujours assez drôle de se voir ainsi, comme ça. Voilà, moi j'aime pas trop me voir à l'image, avoir ce recul. C'est plutôt bien. C'est pas facile. Ah, et joue très juste en plus de très ça. Cohérent, hein. C'est très cohérent. Alors c'est marrant, la petite touche, parce que tout à l'heure, hors antenne, on parlait des spéciales mardi très masculin. Évidemment, j'aime beaucoup le meilleur ami des femmes sont les bijoux.
Oui, oui, mais c'était quand même quelques temps en arrière, mais avec par les temps qui courent, je peux avoir toutes les organisations féministes sur le dos. C'est pas bon du tout. On en parlait en antenne. Oui, c'est très drôle de... Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. À propos. J'ai beaucoup. Oui, exactement. Morceau choisi. C'est bien choisi. Bien choisi. Oui, exactement. Mais, Thierry, alors, donc, quel comédien, mais tu as tourné dans de nombreux films, des téléfilms. Tu as fait du théâtre aussi. Alors j'ai fait du théâtre, alors j'ai joué dans une série aussi qui s'appelait Paris 16 et malheureusement qui n'est pas resté trop longtemps à l'antenne. Sur quelques mois, ça n'a pas trop bien fonctionné. J'ai fait vraiment au tout début une série Sous le soleil. Puis après, j'ai eu quelques petites apparitions au cinéma, notamment dans Go Fast. Et à l'époque, c'était scénarisé par aujourd'hui mon ami Bibi Nassiri, ah oui. Voilà, qui continue d'être dans le milieu. Et c'était une belle aventure, j'ai appris énormément et comme je le dis, après finalement, c'est tout ce parcours, ce sont toutes ces rencontres qui m'ont amené là où je suis, dans des combats qui sont citoyens, au même titre que la culture est un combat et au même titre qu'il faut défendre l'art. C'est vrai. Bien sûr. Alors on a aussi Thierry Paul-Mallet, peintre. Également. Ah ben oui, on va découvrir un de tes tableaux, tu vois, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors, peintre, tu exposes de temps en temps, non? Alors, j'ai exposé pendant quelques années. On peut le voir à l'antenne du restaurant. Hein, Ah ben, alors ça, c'est un tableau qui fait 2 mètres de haut. Voilà une représentation avec exactement des femmes, des nymphéas. C'est peint à l'acrylique. Et puis une petite représentation. Alors c'est censé être moi derrière la fontaine. Je me suis un petit peu loupé. Je te reconnais, oui, un petit peu. Oui, tu me reconnais un petit peu quand même. Oui, bon, exactement. Et notamment, ça c'est le côté antiquaire. On peut apercevoir les lampes Carcel début 19e à système d'horlogerie sur les côtés. Voilà, avec les globes en verre. Mais c'est super. Mais voilà. Tu mets combien de temps pour. L'avantage, c'est que ma technique est assez rapide. Je travaille en fractionné. Et puis, c'est de l'acrylique, donc ça sèche très d'accord. vite. À l'époque, je travaillais avec des ventilateurs. Ah donc, un tableau comme ça, je peux le réaliser en même pas 10 jours. Une semaine en travaillant le jour et la nuit aussi. Et si on veut avoir un tableau de Thierry Paul-Mallet, alors La particularité, puis c'est pour ça que dans les galeries, ils ne m'appréciaient pas trop, c'est que j'avais énormément de mal à vendre et à lâcher un tableau. C'est comme si on coupait un doigt. Ah oui, tu es attaché à tes œuvres. Exactement. Ah oui, et tu laisses un bout de ton âme, certainement. Oui, et je comprends. Ouais, ça a été assez compliqué aussi par rapport à ça, parce que c'est vrai que maintenant, c'est pour beaucoup, c'est aussi, je peux le comprendre, du commerce, faut vivre. Hein. Chacun doit y trouver son compte. Mais bon, c'est vrai que quand on est artiste, on ne pense pas nécessairement à toute la partie argent et on pense différemment les choses. Ah, voilà, on est plus altruisme. Altruiste, pardon. Et puis il y a Thierry Paul-Mallet, l'homme engagé aussi. Hein. Ah ben oui. Ah ben, il y a ça aussi qui est arrivé. Je vois, c'est arrivé, en 2016, entre autres, tu effectues une marche de 200 km Lisieux-Paris avec une croix sur le dos. On se souvient de toutes ces images. Incroyable. Oui, alors. Hein, pour dénoncer les travers et les ravages des réseaux sociaux. Déjà à l'époque. Alors, déjà. Ouais, exactement. Moi, je viens de Lisieux. Et à Lisieux, il y a une petite fille qui s'appelait Juliette, qui avait 15 ans, qui s'est jetée sur les rails au moment où le train passait, parce qu'elle subissait déjà le harcèlement sur les réseaux sociaux. Et le timing s'est fait au moment où il y a eu les attentats du Bataclan. Moi, j'habite sur le boulevard Voltaire. Je suis. Donc le Bataclan, je suis voisin, j'ai été invité de manière officielle avec tous ceux qui étaient, parce qu'on a perdu une amie aussi, et je me suis dit, mais finalement, je ne vais pas venir comme ça, avec une veste, une cravate, non, c'est hors de question, il faut que c'est un sens. Et finalement, c'est vrai que Daesh n'allait plus recruter toutes ces organisations terroristes devant les écoles, au McDonald's comme avant, mais recruter déjà sur les réseaux sociaux. Donc finalement, faire cette marche pour dénoncer les travers des réseaux sociaux, le harcèlement et les cellules terrorisme qui étaient dormantes, mais qui se réveillaient, qui viennent recruter sur Internet, ça a été finalement le début d'une marche de 200 km pour rencontrer le président Hollande que j'ai rencontré. Par la suite, voilà, ça c'est autre chose entre lui et moi. Et puis ça a été le début finalement. Ça a été très médiatisé. Et puis le reste après ça a été
Voilà. Oui, voilà. Alors, en 2017, alors, autre chose, la lutte contre le racisme. Ça aussi, c'est, pour toi, c'est très important. Mais évidemment, parce que quand on est artiste, on est humain, on est dans l'échange. Et je veux dire, la couleur de peau, c'est une richesse. La culture, c'est une richesse. La différence de l'autre, c'est une richesse. L'histoire de l'autre, c'est une richesse. On apprend, on a discuté un petit peu, j'ai appris énormément. Et on est tous frères. Et j'ai envie de dire que c'est la base. Mais simplement, la société, la vie, les événements, la politique, les idées nauséabondes, comme par exemple le Front National, pour moi c'est toujours le Front National et pas le Rassemblement National, nous amène la division, joue sur nos peurs, se sert des populismes. Alors oui, quand j'ai commencé à militer, c'était logique que je sois un militant antiraciste, ce que je suis avant tout. Et j'ai eu la chance avec Dominique Sopo, qui est toujours président de SOS Racisme, voilà, qui ont ouvert les portes, qui m'ont permis au travers de mon association qui était l'Égalité Nationale, une association où militer contre le racisme, l'antisémitisme et aussi contre la corruption, c'est important de le dire, où j'ai pu faire mes armes de terrain, mes armes médiatiques et apprendre énormément avec eux. Et puis ensuite, bon, on passe les étapes évidemment, mais il y a eu les Gilets jaunes. Alors là, c'était pour toi une période un peu peut-être compliquée, mais en même temps très bénéfique. Ça a été très compliqué. Alors c'est vrai que j'avais mené des combats avant, notamment le statut de Brigitte Macron, avec la mise en place d'une pétition qui a fait reculer Emmanuel Macron, et finalement il y a eu la charte de transparence, elle n'a pas eu le statut officiel. Et dans la foulée, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, peu de temps après l'élection du président, et... J'étais sur le terrain, j'étais investi, je commençais à être dans le débat public et puis finalement je n'ai pas cherché à être une des figures ou être un des leaders. Ce sont les circonstances, c'est parce que aussi sur le terrain, j'ai des idéaux, j'ai des convictions, on s'est retrouvé et je me suis retrouvé pas tant bien que mal, mais leader. Alors, j'ai toujours une difficulté à le dire parce que finalement, c'est un mouvement où il n'y est pas censé avoir de leader, de figure. C'est censé être un mouvement à la verticale, mais forcément que d'autres ont eu la parole dans les médias. Et ça a été une belle aventure humaine où il y a des rencontres extraordinaires. On s'est suivi dans le temps, sur les semaines, sur les mois, dans la durée. On a mené les mêmes combats sociaux, citoyens, contre un pouvoir en place qui n'était pas à l'écoute. On a souffert, on s'est fait martyriser, la répression policière et pas que. Donc ça a été vraiment c'est lourd à porter et d'un autre côté ça a été aussi un bonheur, c'est à double tranchant, mais c'est une belle aventure humaine. L'histoire a retenu 1789, l'histoire a retenu mai 68 et l'histoire retiendra les gilets jaunes. Est-ce qu'ils peuvent revenir, les gilets jaunes? Non. Est-ce que mai 68 peut revenir? Non. Est-ce que 1789 peut revenir? Alors oui, il y aura des mouvements sociaux qui vont apparaître, qui vont émerger, où il y aura beaucoup de citoyens en colère qui rappelleront les gilets jaunes. Oui, ça de toute évidence, mais le mouvement des gilets jaunes à proprement parler, non. Parce que finalement, c'est vrai que Internet a permis de changer la donne sur un peu la forme des mouvements sociaux. Et le mouvement des gilets jaunes, c'était finalement le grand mouvement social de l'ère d'Internet. Bon, et puis c'est vrai que les gilets jaunes, il y a une stigmatisation des gilets jaunes, il y a la répression policière, les gilets jaunes, maintenant ça fait peur à beaucoup de monde. Et j'ai envie de dire, au-delà du gilet, ce qui compte c'est l'engagement citoyen, l'engagement militant et avancer, ne pas se laisser faire pour la bonne cause. Pour les bonnes causes, parce qu'il n'y a pas qu'une cause. Et on le voit bien, notamment avec le monde de la crise agricole. Et on est en plein dedans. J'allais arriver justement à cette nouvelle crise, la crise agricole, bien sûr. Encore une bonne cause à défendre, hein, parce que nos agriculteurs, nos paysans, on leur doit beaucoup. Pas vrai? On leur doit tous quelque chose. Alors, avant de parler justement de cette actualité un peu brûlante, allez, un peu de fantaisie, regardez plutôt ce que les agriculteurs, parce que eux aussi, quelquefois, ce sont des artistes. Écoutez plutôt. Comment puis-je préserver ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vivent encore mes bêtes? Comment pourrais-je faire pour cultiver mes terres sans pouvoir les soigner ni les alimenter? Oublie.
vôtre. On se trompe de chemin et on crevera de faim. On se fout de l'enferme, on n'a plus besoin d'elle. On veut encore y croire, on a besoin d'espoir. Apporter du bio, plus faire produits locaux. C'est tout ce que t'as trouvé pour avoir à manger. Vous me traitez de pollueur, n'aimez pas mes odeurs. Vous oubliez peut-être que c'est moi qui vous nourris. Le fruit d'en production, tu verras jamais personne. On pense écologie, toujours dans mon pays. C'est pire qu'une concession et loin d'une solution. Je l'aimais à en mourir, mais je ne vais pas y survivre. Même si je me plie à tout, le reste continuera. Les paquebots, les avions, les grandes distributions. Tout le monde fera ses courses dans des pays voisins. À l'effet demi-tour, viens dans la ferme du coin. On veut des produits locaux, aimer nos animaux. On a respecté nos terres, on continue de faire la force de nos grands-mères, l'honneur de nos grands-pères. Travailler notre terre, comme on sait si bien le faire. C'est pire qu'une concession, éloigné. Je suis fier, j'ai tout donné pour vous sauver. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Les filles, je veux de l'espoir. On a les yeux qui brillent. Papa, la papa. Ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Les filles, je veux de l'espoir. On a les yeux qui brillent. On peut les applaudir. Oui, 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 c'est fort. Hein, sur le plan artistique. Oui, non, non, mais il n'y a pas que. Hein. C'est-à-dire que là, quand même, on découvre évidemment la souffrance, mais en plus de ça. L'hypocrisie politicienne, ah bah oui, les gens, fait. Les intérêts. Enfin, je veux dire, il est superbe. Moi, j'avais pas vu. Je ne sais pas, là. Ouais, ouais. Il est. C'est bien filmé, les paroles, tout ça. Et... Il parle, hein. Très représentatif. Ah, mais complètement. Parce que c'est vrai, c'est que on redécouvre avec la crise agricole, on redécouvre quelque chose que finalement on avait laissé de côté aussi, le milieu de l'agriculture, les paysans, leur univers, la campagne, le travail à la ferme. Et ces dernières années, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait aussi beaucoup de polémiques. Moi, je pense notamment à un agriculteur qui a récemment été condamné à 100 000 euros parce que ses vaches, elles polluaient, elles faisaient du bruit. Et souvent, on entend les polémiques, ben, le clocher, il sonne trop fort, on entend le coq, ça dérange. Voilà, c'est vrai qu'on les a matraqués, on n'a pas été suffisamment présents avec eux. Mais voilà, c'est aussi voilà, cette musique, le folklore, le savoir-vivre, le se retrouver autour de valeurs, la nourriture, la famille, la musique. Mais bien sûr, c'est toutes ces valeurs, c'est pour ça exactement. Qu'on peut être que pour, parce que le monde paysan, et tu le disais très bien tout à l'heure, je veux dire, on a tous un pépé, un arrière-pépé, ou encore plus loin, on vient tous de la terre. Mmh. Je veux dire, on a tous des ancêtres qui cultivaient de la patate ou je ne sais quoi. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et en plus de ça, ça représente, au-delà de tout, d'un point de vue philosophique, déontologique aussi, et spirituel, la terre, le paysan représente la famille, l'échange, l'aide, l'entraide. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des vraies valeurs. Ce sont des vraies valeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu zappé. À force de ne bien pas sûr. Y penser, on l'a zappé et ça sort de nos comportements. Et ça peut influer sur les comportements, on le voit. Ah oui, on a le nez sur les téléphones maintenant. Bah, c'est ça aussi. Génération Internet, tout va vite, on ne prend pas le temps, on n'est pas à l'écoute. Et maintenant, c'est vrai que le côté. Puis, bah, de toute façon, les chiffres sont là. Hein. Début de siècle, quelques millions d'agriculteurs, on en parlait encore tout à l'heure. Dans les années 70, à peu près dans les 3 millions. Aujourd'hui, il y en a à peu près à 400 000. Ouais. Et puis, c'est vrai que les agriculteurs, c'est aussi prendre le temps de vivre. Il y a un côté rabelaisien.
Alors qu'aujourd'hui, on est dans l'inverse. La consommation rapide et à tout prix, McDo, la vente emportée, l'ubérisation de la société, c'est terrible quand même. Bien sûr que c'est terrible. Mais en tous les cas, il y a eu vraiment un mouvement qui est encore là, même si une majorité est repartie, mais qui est soutenu parce que, comme tu disais... Soutenu par combien de 90%, c'est énorme, c'est énorme. Mais on est et on se sent concerné. Bien sûr, c'est nous. Il y a eu cette étincelle, justement, qui a été... Ça a répercuté, c'est-à-dire qu'on nous a ouvert un peu les yeux, l'esprit, on avait un peu mis ça en... Grosse piqûre de rappel. Oui, exactement. Et c'est important, n'oublions pas. Ça fait réagir les gens. Mais heureusement, mais parce que c'est une réalité. Tu vois, c'est une espèce... On peut comparer ça à l'instinct de survie. Exactement. Tu vois, on peut comparer ça. Oui. N'oublions pas... Tu sais, il y a Jules Renard disait un truc... un truc vrai. Il disait qu'un paysan, c'est un arbre qui se déplace. Mais c'est vrai. Exactement. Mais c'est vrai, c'est absolument vrai. L'image est belle. Oui. Et quelque part, un agriculteur qui meurt, c'est un livre qui meurt. C'est, voilà, parce qu'il y a toute une histoire. Il y a tout ce patrimoine. Mais c'est touchant quand même. C'est très touchant. C'est vrai qu'on a un petit peu mis tout ça de côté. C'est dommage. C'est vrai que depuis quelques jours, une quinzaine de jours environ, il y a un mouvement, c'est ce mouvement de colère des agriculteurs, qui se poursuit quand même un peu, attention, et puis qui s'est étendu un peu partout en France, c'est vrai. Mais les profits des manifestants sont très divers en fait, Les professionnels n'ont pas tous le même revenu et leur exploitation n'ont pas toute la même taille non plus, il faut le dire. Il est difficile de... Oui, donc les accords sont un peu divers. Exactement. C'est ça. Les agriculteurs, ce sont des taiseux, ce sont des gens qui ne parlent pas, qui sont fiers, qui gardent pour eux. Ça explique aussi pourquoi le taux de suicide est considérablement élevé. C'est la profession la plus touchée après les jeunes par le suicide. Un tous les deux jours. Oui, un tous les deux jours, c'est énorme. Et pendant les blocages, il y avait ces agriculteurs aussi qui mouraient. Mais alors c'est par contre un monde qui est syndiqué avec la FNSA et pas que. Il y a la Confédération paysanne. Et on l'a vu, ils sont en ordre de bataille pendant les blocages. Il n'y a pas eu de violence. Ils ont respecté les consignes. Ils étaient dans le respect, ils ne sont pas venus là pour casser du flic, pour piller, brûler, contrairement à ce qu'on a voulu dire au tout début du mouvement. Et puis, ils vivent aussi la crise européenne, parce que l'Europe, elle passe par une crise, et c'est une réalité avec la montée des populismes, et les agriculteurs, on s'en aperçoit maintenant, on a une part de responsabilité. Alors d'une part, il y a les normes écrasantes de l'Union européenne, les normes qui sont écrasantes avec la France qui les applique de la manière la plus stricte, et ça c'est complètement inadmissible. Après il y a la problématique du libre-échange avec des pays comme la Nouvelle-Zélande, et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, l'Ukraine. Parce que vous imaginez que la consommation de poulet, la part la plus importante, c'est des centaines de milliers de têtes qui viennent d'Ukraine. Mais nous, on a un rôle à jouer en tant que citoyens et en tant que consommateurs. Parce que finalement, parfois, on veut faire quelques économies. Alors oui, il y a la crise, donc on va acheter le plus cher. Mais quand on veut aller acheter l'iPhone de dernier cri, la crise, elle est terminée, on n'y pense plus. Mais parfois, quelques centimes, ça permet de faire vivre un agriculteur. Et ça, c'est important de souligner. Et quand on va consommer McDo, quand on va consommer la malbouffe, finalement, c'est des poulets qui viennent d'Ukraine, c'est de la viande qui vient d'ailleurs, qui a été élevée avec des hormones. Et là, c'est vrai que, voilà, on oublie nos agriculteurs. On les écarte et c'est un petit peu dommage. Donc, il y a un réamour qui se met en place. Mais faut que ça dure. Faut pas que, voilà, ce soit qu'éphémère. Voilà, faut que ça dure. Exactement. Faut que ça dure. C'est important. Faut pas que ça soit un effet d'annonce. Exactement. Parce que ça refait plouf et c'est dommage. Et il faut pas que ça refasse plouf. Et ouais, je suis assez d'accord avec cette analyse. Elle est triste. On peut avoir peut-être un espoir, mais je pense que cet espoir-là, si on se met pas avec eux, si le peuple se soulève pas, il y aura rien. Il se passera rien. On va retomber dans des espèces de méandres qui ne vont amener nulle part. Alors, je crois qu'il faut se battre, il faut oser, il faut penser à eux, il faut acheter local. C'est super important.
J'aime bien, tu vois, dans ce que tu nous as passé, le clip tout à l'heure, là, il le dit bien, c'est chanté, je ne sais plus ce qu'il dit, au lieu d'aller faire tes courses à l'étranger, à dépasser nos frontières, ah oui. Fais demi-tour et viens dans la ferme du coin. Mais c'est tout à fait ça. C'est ça. Mais c'est pas voilà. Compliqué, c'est ça. Les produits locaux, nos locaux. Mais évidemment. Ouais. Donc, bon. Il y a plein de petites fermes. Moi, je sais, à Vierzon, je vais chercher mon fromage dans la ferme. Voilà, j'achète du lait dans la ferme. Voilà, c'est le coup. Et c'est des bons produits en plus. Et des bons produits. Et des bons produits, voilà. Et beaucoup moins cher en plus. Que, bah exactement, que directement producteur, surfaces, c'est moins évidemment, cher. Avec la qualité en plus. Donc c'est exactement, ça. Qui est formidable, non? Vrai ou pas? Pour moi, c'est symbolique. Là, tu prêches un converti. Hein. Alors, évidemment, bon, c'est vrai qu'il a. Bon, on a calmé le jeu, les politiques ont calmé le jeu, voilà. Bon, les barrages sont partis, mais il y a quand même une méfiance. Il y a quand même. Bon, voilà, on surveille, on regarde ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir un événement très prochainement, dans quelques jours, c'est le Salon de l'Agriculture. Ah bah, le Salon de l'Agriculture qui risque d'être pris en otage, et de toute façon, la FNSA et les agriculteurs affiliés à la FNSA l'ont dit. Si on n'a pas le début d'une mise en place des mesures qui ont été promises et par Matignon et par Bruxelles, il y aura un boycott total du Salon de l'Agriculture, et pas que, parce que déjà, c'est vrai que c'est une vitrine internationale qui représente la France, notre terroir, notre savoir-vivre. Alors déjà qu'avec les Jeux Olympiques, parce que si les Jeux Olympiques, hein, c'est pas terminé. Là, on est en plein dans les polémiques. Mais ce qui a été terrible, mais passionnante à la fois. Ah, mais voilà, c'est passionnant en même temps. Tout ça, c'est voilà, c'est la passion, c'est aussi de la souffrance. C'est aussi de la souffrance. Et penser les plaies, c'est avancer. Mais par contre, il y a eu, ça me dérange un petit peu, les connivences entre le gouvernement, la FNSA, certains leaders, je ne vais pas citer leur nom, ça ne sert à rien. Bah, si, je le fais quand même, parce que je n'ai pas la langue de bois. Jérôme Bayle, José Pérez, etc., qui ont appelé à lever les blocages. Mais il y a un noyau dur, la Confédération Paysanne, et eux, ils sont là, coûte que coûte, ils investissent toujours les supermarchés, parce que la grande distribution a un rôle important, et un rôle, oui, clé, majeur, parce qu'ils peuvent apporter de solutions à partir du moment où ils arrêtent de prendre en otage et de dépouiller nos agriculteurs. Ils ont disparu, ils se taisent un peu. Ils font les morts, là. Ouais. Là, ils font les morts. À part Michel-Édouard Leclerc qui est sorti du silence face aux accusations qui a pesé contre lui. Et du coup, il a renvoyé le bébé avec l'eau du bain en accusant aussi le gouvernement de connivence. Alors moi, en ce moment, il y a les sénateurs, indemnité parlementaire plus 700 euros. Les députés, indemnité parlementaire plus 300 euros. Donc ils sont grassement payés. Est-ce qu'ils vont mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour faire un peu la lumière sur le rôle qu'a mis en place le gouvernement dans la crise agricole? J'y crois pas. Est-ce qu'on peut redire un petit peu ce que demandent justement nos agriculteurs, justement? Nos agriculteurs, alors, il y a eu un parallèle à faire avec les gilets jaunes. C'est vrai que c'est un mouvement qui est venu de la base, qui n'est pas venu des syndicats. On ne s'y attendait pas et pourtant ça vient aussi de loin. Et finalement, des revendications qui sont similaires dans la mesure où ils veulent être écoutés, ils veulent être considérés, ils veulent être respectés à leur juste valeur. Et puis après, il y a les mesures concrètes. Alors, les mesures concrètes, j'ai envie de dire, un agriculteur, il a autre chose à faire qu'une journée par semaine, passer son temps dans les papiers, pendant qu'au-dessus de sa tête, il y a les drones qui tournent pour le traquer comme c'est pas permis, pour voir s'il a fait son travail. Voilà. Et puis après, il y a toutes les normes européennes qui sont draconiennes, mise en place, parce qu'on est dans de l'écologie punitive, on n'est pas dans de l'écologie, on n'accompagne pas les agriculteurs. Ils veulent être accompagnés. Eux, ils ne sont pas contre l'Europe nécessairement, ils ne sont pas contre tout ça, ils sont contre tout ce qui ne va pas en Europe, écoute, contre toutes les normes qui ne va pas. Et puis le libre-échange aussi. Voilà. Et quand je vois qu'on a, avec la Nouvelle-Zélande, on a mis en place des traités où on va faire venir du lait en poudre, on va faire venir des produits qui, ici, sont interdits parce que tel pesticide, tel produit, mais c'est... Voilà. Ouais, mais c'est et puis c'est... les salaires aussi, les salaires. Voilà, ils veulent vivre de leur salaire. Ouais. Parce que les agriculteurs qui ont beaucoup d'argent, mais les disparités, elles sont énormes. À côté de ça, il y a toutes les petites exploitations, petites familiales, qui ont à peine 200, 300 euros. Et encore, il y a la
qui n'ont rien, voilà, où la femme va être obligée d'aller travailler. C'est terrible, c'est terrible aussi. Parce qu'il faut dire que les agriculteurs, ceux qui ont des bêtes, entre autres, hein, les éleveurs, c'est incroyable, parce qu'il faut se lever de bonne heure, il faut toujours être... Mais c'est 7 sur 7. 7 sur 7, il faut s'occuper de ses bêtes, il faut les surveiller, quelquefois elles tombent malades, il faut les soigner, enfin tout ça. Non, puis c'est un vrai problème, on demande d'appliquer, la France est le pays qui applique le plus... Donc c'est injuste. Enfin là, il y a un sentiment d'injustice. C'est ce qu'on appelle le jacobinisme français. On est dans un système politique ultra centralisé, et c'est le pays qui a mis en place le plus de bureaucratie, de technocratie tatillonnante. Ça, c'est terrible. Mais c'est vrai, faut le souligner, les salaires des agriculteurs, c'est que dalle, quoi. Il y en a qui viennent avec 800 euros par mois, 700 euros par mois. Il y a la montée des charges à côté. Les charges, elles sont de plus en plus lourdes. Le pouvoir d'achat baisse de plus en plus. Voilà, ils sont dans un état de survie. C'est pour ça. Au moment où on avait signé, enfin l'Europe, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'Europe, avait signé la PAC, ce fameux... Pacte politique agricole commune. Il y avait un certain nombre de règles au départ, quelques obligations, quelques droits et devoirs. Après, on a signé le traité de libre-échange qui est arrivé après, qui a fait exploser en éclats, complètement explosé en éclats. Et ça a été donc les lois du marché qui ont engagé ce processus de régression généralisée. Voilà, l'ultra-libéralisme, dans le libre-échange, c'est pas bon. Consommation, mais la PAC, elle a eu du bon parce qu'elle a permis quand même d'accompagner beaucoup d'agriculteurs aussi. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui vivent non pas du fruit de leur travail, mais grâce aux aides de Bruxelles. C'est pour dire à quel point ils ont le couteau sous la gorge, ils sont pris en otage. Bien sûr. La transition, il faut qu'elle se fasse d'urgence. C'est pour ça, de toute façon, on est à la veille des élections européennes, et il y a un rejet de l'Europe, parce qu'on est une Europe qui sanctionne. On a voulu aller vite, trop vite, on n'a pas écouté les agriculteurs, on n'a pas écouté les citoyens, on a mis de côté la citoyenneté et pas que. Alors qu'à la base, c'est censé être une belle épopée. Mais sauf que là, les choses sont en train de mal se passer. Et moi, je pars du principe qu'il faut tout remettre à plat. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu considérable et que ça va être une élection qui est majeure. Et ceux qui veulent transformer cette élection pour en faire un référendum pour ou contre Emmanuel Macron se fourvoient. Ceux qui veulent en faire un référendum pour ou contre l'immigration se fourvoient doublement. Il y a des valeurs et des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Et on l'a vu notamment dans le cas de la crise agricole. Et dans tout ça, la nouvelle génération d'agriculteurs, justement, c'est pas très, très motivant, en fait. Tout à l'heure, ça a été souligné tout à l'heure, à juste titre. En 1970, il y avait encore à peu près 1 500 335, agriculteurs qui étaient encore en service. Et aujourd'hui. En 2020, il n'en restait plus déjà que 475 000. Rendez-vous compte, la disparition, c'est énorme. Donc ce métier, effectivement, il ne se transmet plus de génération en génération parce que les jeunes, les enfants. Les jeunes ne veulent plus travailler. C'est un savoir-faire, c'est une grande tradition. Et qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a plus nos paysans, nos agriculteurs, Par contre, j'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, mais si on revient à l'esprit de 1789, la France, c'est la paysannerie, les terres, c'est ça. Il n'y avait pas le secteur secondaire, il n'y avait pas le secteur tertiaire, il n'y avait pas tous ces métiers liés à Internet aussi. Donc déjà, de facto, forcément, le monde agricole, il y a beaucoup d'agriculteurs qui allaient disparaître. Mais à ce point-là, par contre, c'est hors toute sociologie, c'est hors cadre. Et non, ils ne vont pas disparaître parce qu'on va être là, on va les aider, les accompagner. Et j'espère que le réveil et la conscience citoyenne qu'il y a eu, là, maintenant, elle va se poursuivre. Et par contre, on le voit quand même. Alors, c'est vrai qu'on est jeune, mon Dieu, faire agriculteur, c'est... Mais il y a quand même des jeunes, et on le voit, qui sont là, qui aident à la ferme, qui se bataillent. Et j'ai envie de dire, je sens qu'il va y avoir comme C'est comme les CAP, il y a quelques années, la pâtisserie s'était mal vue. Mais avec toutes les émissions tendances à la télé, il y a eu le vent en poupre. Je pense qu'avec les agriculteurs, il va y avoir ça. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux, avec TikTok, etc. Les gamins, les gamines sur leur tracteur, qui partagent. Ouais, c'est cool, les animaux. Ouais. C'est génial, c'est des valeurs. On a besoin de valeurs. Ouais, dans des temps qui sont... qui sont compliqués, dans des temps où il y a une crise, on est en, je le dis, quasi récession, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on a besoin de ça.
Tout à fait. Et moi, je pense qu'on est cette insurrection, ce soulèvement-là, c'est une forme de préfiguration. Ce n'est pas une insurrection. C'est un réveil. C'est un réveil. Voilà. Et ce réveil-là, il ne va pas replonger dans un sommeil définitif. Non. Loin de là. Rappelons-nous quand même, sur un plan historique, il y a des cycles dans l'histoire. Régulièrement, au Moyen-Âge, après la période féodale, on était dans un monde profondément inégalitaire. Quelles ont été les mobilisations? Qui s'est mobilisé? C'est les artistes. Ce sont les artistes. C'est l'art et la culture qui a donné du sens. C'est ce qu'on a appelé la période de la Renaissance, en 1300-1400 à peu près. Hein. On appelait ça la période de la Renaissance, parce qu'il n'y avait plus de repères. Période majeure dans l'histoire de l'art. Hein? Période majeure dans l'histoire de l'art. Oui, absolument. Exactement. Majeure, puisque peinture, pâqueuse, sculpture. C'est celle qui a préparé l'arrivée des temps modernes, en 1700. Ils sont les artistes aujourd'hui. Moi, je ne vois plus de chanteurs engagés. Je ne vois plus de. Je vois plus la poésie. Je ne vois plus de peintres engagés. Je ne vois plus rien. Ils ont disparu. Il ne faut pas avoir peur. Ils ont peur. Le problème, c'est qu'un artiste, dès qu'il va. Prendre la parole, tout de suite il va être censuré, tout de suite il va être catalogué sur les réseaux sociaux et pas que. Mais il faut pas cesser faire. Il faut aller au combat. Je voulais en arriver là justement. Quand je parle des cycles de l'histoire, oui. Tu as parlé de 1789 tout à l'heure avec les Jacqueries, tout ça et tout. Ah oui, bien, Jacqueries, oui, bien sûr. Ce formidable mouvement paysan qui a joué un rôle central, majeur. Eh bien, je pense très sincèrement que l'art, la culture devrait aujourd'hui prendre la parole. Tu l'as souligné avec beaucoup de force depuis le début, tu insistes beaucoup là-dessus. Je vois que je partage complètement cette parole très forte. Il est absolument indispensable, comme après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les dadaïstes, il y a eu le Breton, il y a eu un éveil, il y a eu un sursaut, un paquet d'artistes, ils étaient tous positionnés. Alors ils n'étaient pas engagés au sens politique du terme, mais au sens citoyen, avec des exigences en termes de droits et de devoirs. Voilà, il faut et des vrais poètes. La poésie était au service de la transformation et des idées et de la créativité. Aujourd'hui, il y a un silence qui fait beaucoup de bruit. Oui. Du monde artistique. Fracassant qui fait beaucoup de bruit. Oui. Il serait temps, franchement, de se réveiller. Les agriculteurs de la culture devraient être sur les Champs-Élysées aujourd'hui avec leurs caméras, tout ça et tout. Voilà. Et puis, c'est combien le budget de la culture, je crois? C'est toujours 2-3, combien de pourcents? Depuis que Rachid Hadati est là ou avant? Parce que après, il coûte cher. Oui, elle a gagné un petit peu, un tout petit peu de sous. Ouais. Mais bon, là encore une fois, la nomination et les moyens, c'est du mépris. C'est du mépris, pour le monde de la culture. Là c'est totalement politique. C'est de la clownerie, c'est de l'instrumentalisation, tout simplement. Ouais. En tout cas, notre ami Thierry Paul Valette, il parle avec son cœur, avec ses tripes, voilà, comme on le fait tous. Un passionné, enflammé. Vous êtes un passionné, bien sûr. Puis lorsqu'on parle de nos amis agriculteurs, on les aime, nos agriculteurs, hein, voilà, on les aime énormément. Et Thierry Paul Valette, c'est un artiste. On parlait de poésie, justement, mais c'est un poète aussi. Et puis, si vous le voulez bien, moi, je serais d'accord à ce qu'il nous lise, justement, un de ses poèmes. Oh, bah, ça serait possible? Pas prévu? Non, mais bon, avec plaisir. Alors, un petit poème. Ah, voilà. Avec plaisir, j'ai dans mon téléphone. La poésie, c'est beau la poésie. C'est le moteur de l'histoire. Oui, c'est la nourriture de l'âme aussi. Voilà, et je sais que tu as même écrit un recueil de poésie. J'ai écrit un recueil sur l'amour, j'ai écrit un recueil sur la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et il y a deux recueils qui vont sortir. Il y a un recueil qui vont sortir sur l'univers carcéral. Voilà, les conditions de détention en France. Parce qu'il y a beaucoup à dire, aussi à faire. Et c'est pas comme on voudrait le croire, le Club Med. Pas ça. Et quand je vois des gens comme Sarah Salman, alors que c'est une avocate, qui vient de dire il y a encore pas longtemps que les conditions de détention, faut les durcir, alors qu'elle n'a jamais mis un pied dans l'univers carcéral, qu'elle est elle-même avocate, elle devrait savoir que la France, elle a été plus de 20 fois épinglée par les plus grandes instances. Les droits de l'homme, voilà, elle les écarte et je trouve ça dommage. Mais oui, j'ai mis un petit poème.
un peu de tendresse, de poésie, ça fait du bien dans ce monde de brutes. On va voyager. Alors on va voyager. Voyager en Afrique. Ah, le berceau de l'humanité. Le berceau, oui, tu m'as pris une vitesse. Je fais un rêve. Ô peuple d'Afrique, essoufflé au mépris de tes libertés, de tes terres d'ocre et de sang, de tes enfants affamés, naîtront les histoires fertiles de ton identité en proie d'humanité. Au jardin de tes espérances où tu réunis toutes tes fraternités. Tes rêves féconds au berceau d'Agile et de Liane découvriront ton antre parfumé au miel de tes savanes, douce musique au crépuscule de tes sarbacanes qui pleurent les femmes enchaînées aux portes de la Louisiane. Ô peuple d'Afrique, malmené au chevet de ton histoire, de tes livres de pierre et de bois, de tes ancêtres noirs, s'effaceront tous ces mots qui hurlent ton désespoir, aux pages de tes méfiances où tu embellis toutes tes mémoires. Tes rêves de faim, à la table de tous ces capitalismes, imposeront ta signature au front de tout leur absolutisme. Nouvelle poésie au tombeau de l'esclavagisme qui pleure tes mains tombées au champ de leur racisme. Au rivage alcoolisé de tes martyrs à l'abandon, tes enfants ainsi déposés à l'autel de l'abolition banniront l'ordonnance de toutes tes discriminations aux alcôves désargentés de leurs fantômes en perdition. Blancs et noirs dessineront l'arc-en-ciel de la liberté, artistes et politiques gommeront les accents du passé. Le monde est en marche, enchaîné à tous ses prisonniers, à nos frères qu'ensemble nous devons tous libérer. Aujourd'hui, je fais le rêve d'une terre d'amour et de flanelle, d'une cathédrale de verre et de papier qui chanterait fièrement votre liberté. Au-delà de vos ailes et de vos racines de dentelle, faisons ensemble ce rêve fraternel d'une citadelle éternelle. Très beau poème qui me fait penser, qui me renvoie un petit peu vers Martin Luther King, qui a écrit ce « J'ai fait un rêve ». Oui. J'ai fait un rêve. Et moi, je fais un rêve. Oui, absolument, absolument. Où il parle, il évoque justement l'égalité au sens où la différence est un plus, c'est pas un moins. C'est un plus pour l'humanité et la paix en fait complètement Ah ben complètement. Et là, donc tu parles de Luther King. Moi, j'ai eu la chance, j'ai été invité à l'université d'Oxford par Luxon Union à débattre il y a 2 mois pour parler des mouvements sociaux. Et j'avais un débatteur en face de moi qui s'appelle Satavision Cooper et qui a passé 5 ans dans le même bloc de cellules que Nelson Mandela. Nelson Mandela. Voilà. Et j'ai donc, rencontré, hein. J'ai rencontré avec qui j'ai discuté. Ce sont des rencontres formidables. On se sent tellement petit à côté. Et comme il le dit à juste titre aujourd'hui, c'est que oui, son combat, c'était la lutte contre l'apartheid. Son combat, c'était la lutte contre le racisme. Et finalement, en 2024, eh ben, les choses reviennent. Et c'est terrible. Et en France, il y a ce qu'on appelle aussi, et je le dis, et n'en déplaise à certains, une apartheidisation de la société. C'est grave. Et on le voit avec la montée des populismes, le Rassemblement National et pas que. Alors moi, j'en veux pas nécessairement aux gens qui votent le Front National. Beaucoup votent le Front National par rejet. Et c'est évident. Voilà, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils n'y croient plus aussi. Et puis parce que ce soit artiste, politique, citoyen, on n'a pas fait le nécessaire pour qu'on aille vers l'autre, même s'il est différent. Le vivre ensemble, on l'a complètement mis de côté. On s'est égaré avec tout ça. Et la culture, alors en même temps, je pense qu'il faut aussi leur mettre un petit peu le coup de pied au cul aujourd'hui. Hein, un gros coup de pompe aux fesses. Ouais, ça fait 20 ans qu'on dit il faut les pardonner, c'est pas leur faute, ils sont malheureux, le Front National c'est une boîte de sauvetage, ils se raccrochent, c'est une question de survie. Oui, oui. Non, mais c'est une réalité, oui, tu as raison. Oui. Mais là, peut-être que maintenant, il faut les secouer, quoi. Mettre des petits coups de pied au cul, alors dire, écoutez, ça, c'est pas une alternative. La société française, elle est fondée, elle a été construite sur d'autres bases. La République, c'est pas du tout ça. Faut rappeler l'histoire. Mais bien voilà, sûr, simplement, maintenant, la jeunesse, aujourd'hui, on parle de la Shoah, la Seconde Guerre mondiale, la Première, ça passe ce que c'est. Donc, oui. Voilà, il y a une problématique. Et si on ne connaît pas son histoire, si on ne sait pas d'où on vient, si on ne connaît pas la culture française, comment elle s'est faite, comment elle s'enrichit, comment elle s'est construite, comment on peut accepter l'autre? Comment on peut accepter la différence? C'est impossible qu'elle soit culturelle et pas que, même religieuse. Justement, et là, la question, c'est une question centrale, absolument centrale. Parce que le processus que le gouvernement a mis en place, c'est de faire exploser, de découdre tout doucement tout ce que le mouvement de la résistance après la Seconde Guerre mondiale a mis en place, hein, en termes de droits citoyens, en termes de droits fondamentaux, les droits et les devoirs, tout ce qui a été construit, le modèle français, on dit que c'est une exception, le modèle
modèle français. Et c'est vrai que la France a servi d'éclairage, a servi de modèle en termes de constitution, dans tous les chapitres du domaine. Et c'est ça, aujourd'hui, que les lois du marché, que l'idéologie ultralibérale est en train de casser, de faire voler en éclats. Pour que tous les prédateurs, que pour tous les grands propriétaires, comme on dit, voilà. Les propriétaires agricoles, qui défendent leurs intérêts, sûrement pas ceux des commandes. Ah oui. Donc des les grands paysans, capitalistes, c'est... les grands capitalistes, tous ces politiques. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un manque de transparence, il y a un manque de démocratie, il y a un manque de volonté, et puis personne n'a à rendre de compte aussi. Et ça, c'est dramatique. Non, mais c'est dramatique. Grave, ce qui est grave en plus pour nos jeunes. Parce que c'est l'avenir qui, évidemment, c'est l'avenir qui compte. Hein. L'avenir qu'on est en train de construire, on le construit difficilement parce qu'il y a une désinformation voulue. Oui. On tombe dans une espèce de banalisation de tout. Et ça, c'est dangereux. Alors, je ne dis pas qu'il va falloir sous une autre forme. Et là, je suis entièrement d'accord d'un point de vue artistique, parce que je pense que la culture est un vecteur de paix. C'est une évidence. Maintenant, il y a du boulot. Hein. Mais il va falloir se battre. Il va falloir se battre vraiment. Alors, je ne dis pas que l'image, elle n'est pas de reprendre les fourches et d'aller à Versailles. Mais sous une autre forme, il va falloir faire ça. Bien sûr. C'est important. Mmh. Et les artistes ont un rôle hyper les important. Les paysans ont pris leur tracteur, ils sont montés à Paris pour faire le siège. Hein. Oui, non. C'était pas loin des fourches. Non, hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Rabin. Je veux dire, c'est une image. Non, mais elle est symbolique. Je suis totalement d'accord. Et tant que les... Alors, il y a un boulot monstre, mais je crois que ça viendra. Oui. Ça viendra de la culture, ça viendra des artistes. Et là, il y a du boulot. Hein. Il va falloir rien lâcher. Il faut plancher, il faut y aller. Quoi. On est là pour eux, tout simplement. Et pourquoi on n'organiserait pas de temps en temps des spectacles, profit de nos paysans, de nos agriculteurs. Bah exactement, de mettre la lumière sur eux et pour eux. Et reconstruire ce qu'il disait notre ami tout à l'heure, voilà. Reconstruire ce fil de la solidarité. Oui. Parce que, comme encore une fois, on est face à un État aujourd'hui qui divise, qui sépare. Si le mouvement des agriculteurs aujourd'hui, là, il s'est un petit peu essoufflé, parce que le pouvoir a réussi à diviser les syndicats entre eux. Ceux qui voulaient aller jusqu'au bout se sont trouvés un petit peu isolés. Et puis, bon, et puis c'est que partie remise. Et puis les agriculteurs ne peuvent pas non plus rester des semaines, infiniment, des semaines non, sur le terrain. Ils ont besoin de travailler. Et les vaches, tout ça, les animaux, voilà. Il y a énormément de travail. Principe de réalité. Hein, eh bien voilà, c'est ça aussi. En tout cas, on est avec eux. J'espère que tout va mieux se passer maintenant. Et ça a ouvert les... Hein, les écoutilles. Hein. Voilà. On est avec eux, on les aime parce qu'on a tous quelque chose, les gens de la terre, tout simplement, avec un amour et avec un grand tas. Voilà, tout simplement. Alors, on va justement changer un petit peu de sujet, mais pas trop quand même. On va parler. Tu veux dire quelque chose ? Vas-y, allez. Je voulais faire un jeu de mots pourris. Oui, bah vas-y. On aime ça. Concernant peut-être les gouvernements, il va falloir construire ça avec un grand tas. Mais pas un tas de fumier. Oui. Non, c'est sympa. Oui, ça passe. Ça passe. Reste dans le contexte comment de la oui, terre. C'est ça. Ouais, fumier. Hein, voilà. Il a plusieurs. Et bien plusieurs usages. Voilà. Hein, ça en reste entre pourriture. En tout cas, voilà. En tout cas, on est avec eux. Et c'est grâce à des gens comme Chris Agulot, c'est un artiste comme toi, un poète, voilà. On est là à parler d'eux aujourd'hui au Sud Armada parce qu'on les aime tout simplement. Mais comment ne pas être pour l'amour, pour les valeurs, comment, voilà. Et le partage aussi. Comment ne pas c'est vrai qu'il y a du boulot, il y a un discernement, il y a du bon sens. On n'est pas dans le monde de oui non plus, il faut faire attention. Faut pas glisser gratuitement, c'est pas du tout ça. Moi je défends beaucoup de causes. Je suis pour beaucoup de causes, beaucoup de corps de métier, beaucoup de plein de choses. Bien évidemment, je suis pour la paix, je suis pour l'amour. Ça, c'est une évidence, parce que je suis artiste et parce que j'aime les gens. Je ressens les âmes comme tous ici, autour de cette table, on le sent bien. Mais c'est compliqué, c'est compliqué, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable. Je veux dire, il faut se battre. Et là, ce n'est pas un fin mot. On ne dit pas « il faut se battre » comme... On va s'organiser un dîner, il faut se donner les moyens. C'est vrai qu'on dit toujours bouffons ensemble. Mais non, ben oui, ben, bouffons ensemble. Il faut le faire. Voilà, on a trop tendance à... Voilà, c'est bien, engager, évidemment, se battre. Il faut y aller. Sinon, on n'y arrivera à rien. À rien. On va parler comme ça pendant des années. Tu sais, c'est facile de faire la révolution, moi je dis toujours, dans la salle à manger.
Permission de salon. Ah ben, on refait le monde dans la salle à manger. Comme sur les réseaux sociaux maintenant. Hein. Ou au bistrot, mmh. également. Hein. Au café du commerce. Oui, c'est là où on s'est rencontrés. Bon vieux café du commerce. Absolument. Voilà, les révolutionnaires, les nouveaux révolutionnaires, comment du... Voilà. Du... Clavier, quoi, devant l'écran. Il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet, hein. Ouais. Un paquet, hein. Ouais. Si. Bon, allez, on va maintenant un petit peu de musical, hein, pour sentir pousser des ailes. Et puis, quoi de mieux que d'écouter, par exemple, un Chris Agulot, hein. Vous allez voir, vous allez entendre, vous allez être émerveillé, vous allez être séduit. Ouais, parce que c'est un mec qui aime l'amour, tout simplement. La musique, et c'est son une public. Force qui peut nous allez, emmener jusqu'au bout du monde. Avec Chris Agulot. Complètement. Hein. Complètement, avrei voluto cambiare, lo sai, lo so che non mi crederai. I miei 20 anni son finiti ormai, e penso non mi sfuggirai. E viaggiare per anni così non è soltanto colpa mia. Una TV solo per compagnia, non sarò mai a casa mia. Vivo per te e tu lo sai, la luce in sole non so mie, ma la tua voce è mio che mie, se canto è per te. Ma se questo grande amore mi dà serenità, un limone che va via, più sempre insieme a me, se per questo grande amore mio la c'ero dietro me, tante cose che ho il mio cuore. Solo ci sei tu, ancora qui io resterò, in questa vita non c'è e non me ne andrò. Il tempo passa e non cambierà mai, il tuo sorriso di allegria. Sei come un angelo che mi porta via e mi ricorda che sei mia. I sogni miei sono fatti di te e in me nessuno ci dividerà. Sei solamente quella che voglio io, ti amo, sei amore mio. Vivo per te e non vorrei che mi lasciassi come un re. E quella senza fedeltà non ritornerà. Ma se questo grande amore mi dà serenità in un mondo che sempre insieme a me, se per questo grande amore mio la c'ero dietro me, tante cose che ho il mio cuore, io non ricorderò. Se solo ci sei tu, ancora qui io resterò, in questa vita nascerò e non me ne andrò. Ma se questo grande amore
se per questo grande amore. Grande amore. Notre ténor, notre ténor. Ouais. Ça, c'est Chris. Toutes les boulettes que j'ai mangées, les pastas et les boulettes. Tu comprends? De la mama. Je peux lui poser une question. Tu as fait des écoles de jeunes, de chant, ou alors tu viens du tard? Je viens de la rue. Justement. Je viens de la rue, ouais. Je viens de famille. Chris Agulot, ce petit gars à l'âme du Sud, hein, d'une maman italienne et d'un père espagnol. Voilà. C'est peut-être ça qui t'a apporté ce mélange un peu détonnant et qui a sûrement contribué à donner à ce garçon une voix puissante, surprenante, incroyable, chaleureuse. Ce garçon qui décide un jour, en 1989, de monter à Paris, comme beaucoup d'artistes. Et puis là, immédiatement, il signe la même année avec la célèbre maison Carrère, un premier titre révélateur, composé par le roi du Madison. On peut peut-être en dire plus. Ah, notre Billy Bridge. Billy Bridge, bien sûr. Voilà. Un type attachant, parti trop tôt. Voilà. Ça a vite commencé pour toi, c'est une carrière fulgurante. C'était rapide quand même. Quand je suis monté à Paris, comme beaucoup d'artistes, et c'est ce qui fait un peu la légende, mais qui n'est pas une légende, et j'ai fait partie aussi du même wagon, j'en ai quand même un peu chié au début, hein, comme on dit. Oui, comme tous les artistes. Oui, mais vraiment, hein, vraiment. Moi, je me souviens des hôtels de passe où je pouvais dormir. Parce que c'est là qu'on s'est connus, du reste. Je me disais, il a un regard un peu coquin. C'est là qu'on s'est connus. C'était, tu vois, et ça, ce sont des choses qui, au contraire, il faut... Moi, je n'ai pas honte d'en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui t'apporte, qui t'apprend. Même, fier. Oui, alors, je ne le disais pas à mes parents parce que ma mère serait morte d'inquiétude. Malheureusement, elle est partie d'autre chose, mais voilà, ça a été difficile quand je rentrais de certains endroits où j'arrivais à me produire, où on me donnait la pièce. Je rentrais dans mon hôtel qui existe toujours, c'est magnifique. Je passe, parfois il m'arrive d'y aller, de passer devant. Je peux donner le nom, hein, c'est l'hôtel de Nantes, ça s'appelle toujours dans une... Il n'y a pas d'étoile, pour te dire. Il y a toujours des passes. Dans une petite rue du 17e, vers Porte-Clichy. Je me revois assis sur les marches, parce que c'est arrivé trop tard. À un moment, c'était fermé. C'est-à-dire, les filles avaient fini de travailler, hein, et c'était fermé. Donc, il m'est arrivé de dormir sur les marches, avec ma guitare. Voilà, mais c'est du vécu et je regrette rien. C'est magnifique, ça m'a beaucoup. Et il m'est arrivé une très belle histoire que j'aime à raconter parce que elle est humaine et je la trouve belle. Un soir où j'étais sur les marches, il y a un volet qui s'ouvre et il y a une dame de petite vertu mais de grand cœur, qui me dit. Tu es à l'hôtel. J'ai dit oui, mais là, je suis arrivé tard, je ne peux pas rentrer. Et elle me dit, mais écoute, je t'ouvre, viens dormir avec moi. On a partagé le lit, en tout bien, tout honneur, évidemment. Elle faisait son métier, je faisais le mien. Elle m'a permis de dormir au chaud. Ça fait rêver Rabat, ça. Quand deux métiers se rencontrent. Elle m'a permis de dormir au chaud et j'ai trouvé ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je me suis levé le matin, je suis parti. Oui, et voilà, c'est du vécu, c'est quelque chose qui renforce et qui fait penser autrement parfois, comme les nombreux voyages qu'on peut faire. C'est marrant ce qu'il dit, parce que moi je fais le parallèle avec Trenet. Parce que Charles Trenet, lorsqu'il est arrivé à Paris, figurez-vous, il habitait dans un hôtel de passe, quoi. Lui, c'est dans le 12e arrondissement. Et puis un jour, il y a sa mère qui a voulu savoir ce que faisait son fils, où il habitait, etc. Et puis elle est arrivée comme ça, c'était pas du tout prévu. Elle est arrivée à l'hôtel, à l'accueil, et elle dit Monsieur Trenet, Charles, alors. Évidemment, Charles, il est au deuxième étage. Et puis, elle voyait descendre des dames un petit peu bizarres. Et puis, c'est là qu'elle s'est aperçue, en fait, qu'il habitait dans un hôtel de passe. Alors, de suite, elle l'a retiré. Et puis, il habitait le 12e. C'est un peu la même histoire. C'est exactement sauf ça. Que là, ta mère n'était pas venue te voir. Moi, mes parents n'ont pas été au courant. Je crois que je leur ai raconté avant de partir. Je ne sais plus. Ouais. C'est assez drôle et émouvant en même temps parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, moi.
c'est, ça a compté. Voilà. Alors, Elvis, mais pourquoi Elvis, en fait ? Pourquoi pas ? Pourquoi non, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai été bercé, évidemment, les Italiens, ça chante tout le temps, mais j'ai toujours entendu ma mère chanter à la maison, et mon père aussi. Ils avaient cette culture de la chanson lyrique, populaire et autres. Et voilà, j'ai entendu de belles mélodies. J'ai été bercé par Dean Martin, par Sinatra, par le gospel, par les ténors, par Mariano, par... J'ai été bercé par tout ça et après, je ne sais pas. Je pense que nous naissons pour quelque chose, c'est-à-dire qu'il est défini avant que tu naisses de ce que tu vas devenir et faire. J'en suis un peu intimement convaincu. Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose que ce que l'on est ? C'est compliqué. Voilà, le sujet est intéressant. Voilà. Donc, il a toujours été dans mon esprit... De vivre comme un et d'être un artiste. Un véritable artiste, Chris Agulo, que l'on va entendre une nouvelle fois avec un clip. Alors voilà, ça c'est la deuxième. Oui. Quand papa... Alors justement que Billy Bridge m'a composé... Me parlait d'Elvis. Quand papa me parlait d'Elvis. Alors, c'est pareil, c'est très symbolique parce que c'est presque vrai. Quelque part, c'est presque vrai. Voilà, et c'est vrai que c'est toujours émouvant pour moi. Alors ça, ce sont vraiment les vieilles orchestrations. J'aimerais bien ressortir ce titre, on y repense, avec des moyens plus modernes, évidemment, on est en train de voir, d'y travailler. Et voilà, mais ce titre date de quand on a signé, de 89. Et c'est pour maintenant sur Radio Armada. Il sortait son vieux disque, ses albums de photos du temps du golf. Quand papa me parlait de Kim, ouvrant ses magazines, c'était pour lui un dieu, je ne croyais pas mes yeux. Elvis, il l'adorait. Elvis, s'habillait comme Elvis, se coiffait comme Elvis. Me parler d'Elvis, je rêvais de Elvis, un grand tête de la guitare pour un comme Ringo Starr. Quand papa me parlait de Kim, maman dans sa cuisine laissait brûler le dîner en l'entendant chanter. Elvis, il l'adorait. Elvis, il s'habillait comme Elvis, se déhanchait. Maintenant qu'ils sont partis tous deux au paradis, il me manque à présent chaque fois que j'entends. Elvis, il adorait Elvis, s'habillait comme Elvis, se déhanchait comme Elvis, c'était son vie. De son fils. Mmh.
applaudissements, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça. C'est ça qui est formidable. Et puis, en fait, non, mais sans rigoler, lorsqu'on voit ce clip, il y a plein d'émotions. On voit tes parents, entre autres. Et tu nous disais en antenne que tes parents t'avaient toujours soutenu. Oui, oui, ils ont été, j'ai eu des parents formidables. Formidables, qui ont respecté mes rêves. Pourtant, ils n'étaient pas du métier, artistes dans l'âme. Ils étaient artistes dans l'âme, ouais. Mais ils voulaient que voilà, leurs enfants soient heureux. Il y a tout un panel de ma famille qui travaillait à la SNCF. Pas mon père, mais tout mes cousins, mes oncles, tout le monde travaillait à la SNCF. Ah oui. Alors j'ai échappé au rail, quoi. Non, non. Mais vraiment, parce qu'on voulait me faire rentrer moi aussi. C'est-à-dire, c'était tout tracé. J'ai dit non, vous allez pas m'emmerder avec vos trains. Moi, je c'est pas ce que je veux faire. Et attention, c'est magnifique, à tout le respect que j'ai pour ça, tu vois, mais moi j'ai dit non, ça va pas, c'est pas possible. Et mes parents respectaient ça, mes parents m'entendaient. Ouais, tu vois. Alors je suis pas allé loin moi en études, j'étais le premier à la sortie de l'école. Mais t'étais le mec qui était au fond de la classe. J'étais à peu près le mec au fond de la classe qui écrivait, qui écrivait déjà, qui chantait, qui était. Enfin voilà. Enfin, tu sais comment on est quand on est artiste, on commence tous très tôt. Mmh. On a ça, c'est comme ça. C'est en nous, ça ne s'explique pas. Et tu peux pas. Et voilà. Et ça c'est quelque chose de merveilleux quand tu as tes parents qui ont compris ça, tu vois, ils sont dans la même veine que toi et Dieu sait si, je vais te dire, hein, j'avais un métier en or. Quand je suis sorti de l'école, je suis rentré par connaissance. Et j'ai passé un bac à fin. À l'époque, ça représentait quelque chose, c'était un bac de projeteur. Et je suis rentré chez Dassault. Je suis rentré chez Dassault par connaissance. Ouais. Donc tu vois la place que j'aurai aujourd'hui. Mmh. Hein. Donc je suis rentré petit projeteur chez Dassault, où je faisais mes petits plans, mes machins, je grattais. Je suis rentré là presque pour faire plaisir, on va dire, à mes parents, bien que, comme je vous ai dit, mes parents n'étaient pas... Et j'ai démissionné. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, j'étais malheureux, j'étais pas bien, j'étais malheureux. Voilà, je chantais déjà, je faisais des radio-crochets un peu partout, mais... De lundi au vendredi, aller gratter derrière une planche à dessin, c'était pas mon truc. C'était pas ma vie, ça. Comprends-tu ? Et un jour, j'ai dit à mon père, papa, il venait me chercher au travail, mon père. J'avais pas encore mon permis. J'avais 21 ans. Je venais juste de passer, mais j'avais pas de voiture. On n'avait pas les moyens pour ça. Donc mon père est venu me chercher. Nous sommes allés boire un coup. Nous sommes allés boire un coup dans une petite guinguette. Il y avait un lac à Bègles qui existe toujours. Et j'ai dit à mon père, papa, moi, je veux partir, je démissionne, je ne suis pas heureux, je ne veux pas faire ça. Et mon père m'a dit, c'est ton choix, tu sais ce que tu fais, on va le dire à ta mère maintenant. Et j'ai dit, moi, je veux partir à Paris, je pars. Le déchirement, c'est dans les familles un peu siciliennes, c'est quelque chose aussi. Ça, tu vois. Alors ça existe dans toutes les familles, il ne s'agit pas d'avoir, c'est pas l'outil. Mais là, c'était assez fort. Et donc, j'annonce ça à mes parents qui... Voilà, ma mère, ça a été très compliqué pour ma mère parce qu'on était très fusionnels. Je suis parti à Paris pour faire ce métier. Et ils ont pu assister un peu à... Je leur ai prouvé, je leur ai pas parlé des moments compliqués où je cherchais des pièces de 20 centimes pour pouvoir m'acheter du pain. Je voulais pas qu'ils sachent... Tu vois, je voulais pas. Je suis parti, c'était pour réussir quelque chose et pour pouvoir bouffer. Tu ne voulais pas les inquiéter? Non, je voulais pas les inquiéter. Puis c'était un challenge, j'étais pas parti pour rien. Et voilà, et donc ils ont pu voir après une certaine, voilà, quand ça a commencé à tourner. T'as abandonné la locomotive, t'as abandonné l'avion. C'est exactement ça. Mais tu as continué à tourner d'une autre façon, puisque oui. Tu as fait le tour du monde. Oui. Tu es parti partout avec toute ta troupe de musiciens. Oui, enfin, ça a été une chance inouïe. Un orchestre incroyable, des choristes. Enfin, ça a été fou. Des rencontres exceptionnelles. Première partie de Tom Jones, que j'adorais. Enfin, c'était des choses qui étaient assez improbables pour moi. Ouais. Mais je ne me posais pas de questions. C'était, la vie me souriait, elle était belle. C'était, Tu vivais les choses. Ouais, je vivais les choses. C'est incroyable, ça arrivait comme ça. Et ce n'est pas que je ne faisais pas tout pour, mais quelque part, oui. Et il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu beaucoup plus travailler. Alors, il ne faut pas avoir de regrets, hein. C'est ce que l'on dit. Mais je ne sais pas, j'étais peut-être trop jeune. Et l'argent tombait un peu facilement comme ça. Et moi, je n'étais pas habitué à l'argent, hein, parce que c'est vraiment une famille... on n'avait pas le sou. Hein. Et
Alors, j'ai pas mal tourné, mais en même temps, j'ai pas géré peut-être aujourd'hui avec le recul et avec l'âge que j'ai. Je me dis qu'il y a des choses que j'aurais pu faire autrement et que j'aurais pu développer autrement. Et c'est pas un regret, c'est une constatation. Voilà. Donc, quand on est jeune, il faut être quand même hyper entouré, pas se laisser griser par l'argent. C'est pas l'argent qui fait l'homme. Hein. Mais il faut être bien entouré surtout, gens aimants et qui te motivent dans ce métier. Oui, comme dans n'importe quel métier, d'une façon ou d'une autre. C'est assez général, oui. Alors, on parlait justement de Las Vegas, de ces grands concerts que tu as donnés là-bas. C'est incroyable, quand même. Des milliers de personnes, partout où tu passes. Ben, C'était fou. C'est géant. C'était fou, surtout dans des pays improbables. Hein, des pays aussi improbables. Moi, j'ai fait une tournée ça fait partie de quand j'étais chez Carrère. Et on était promotionné, j'étais chez Nostalgie, en fait, Nostalgie nous suivait partout. Il y avait des antennes un peu partout. Et notamment, improbable pour moi, c'était le Cameroun. Le Cameroun, j'ai fait une tournée au Cameroun et je ne savais pas, et je ne me doutais pas qu'il pouvait y avoir un impact comme ça. Et une fois, alors les Camerounais sont des musiciens comme à Cuba, hein, hors pair, ils jouent de tout. Et alors ce qui était absolument extraordinaire, c'est qu'avant d'aller au Cameroun, ils ont les mecs, les musiciens, donc le locaux, et des super musiciens ont travaillé mon répertoire. Quand je suis arrivé, mon répertoire était prêt. Et c'est un truc de dingue. Hein, quand j'y pense aujourd'hui, c'est complètement fou. Et j'ai chanté Elvis au Cameroun, avec un public extraordinaire de gens hyper réceptifs. Et ça, tu te dis, mais putain, le monde est beau, quoi. Le monde est grand, tout est possible partout. À Cuba, pareil. Hein. À Cuba, quand tu reviens de Cuba, t'es humble. Hein. Moi, j'étais à La Havane, enregistrer un album. Peut te dire que je suis revenu en France, j'ai arrêté de me plaindre parce que la lumière dans les chiottes, elle fonctionnait plus et parce que j'avais mal aux dents. Hein. Ça remet les choses en place quand même. Hein. Ouais. Et c'est aussi la richesse d'un artiste de voyager, de découvrir de nouvelles cultures, sociétés. Et c'est plutôt bien. Chris, on est vraiment ravis de t'accueillir. Alors, encore un cadeau pour Radio Armada avec un autre clip. Hein. Voilà, et tu vas nous le présenter. Me semble-t-il que c'est du Elvis, non ? Ah, alors, hein ? Alors ça c'est alors ça sera pas, c'est pas un clip, c'est un titre en fait, c'est un medley d'Elvis. Live avec mes musiciens, on est sur scène. Voilà, et bien on va regarder. Cadeau, c'est Elvis pour nous ce soir. Oh, baby, can tell you, baby. Oh, baby, so lonely, baby. Oh, baby, so lonely. Oh, baby, so lonely. I could die. When a nori heart is strong, just in a fancy room for broken-hearted lovers to crawl in the gloom, baby. Oh, baby, so lonely, baby. Oh, baby, so lonely. Oh, baby, so lonely. I could die. Shook up. Yeah.
je t'attends. Ça envoie. Hein, ce mêlée d'Elvis, c'est extraordinaire. Ça décoiffe. Ah, ça décoiffe. Ah, ça décoiffe, ouais. J'adore. On ne peut pas rester indifférent. Vous êtes, hein, oui. C'est impossible. Vous êtes des amours, je vous remercie. Ah, ça va, t'étais pas fait pour mettre du charbon dans le moteur de la locomotive. Ah, non, vraiment. Ça aurait été vraiment dommage. Il a raison, Rabat. Hein. Bon, alors, quelle est l'actualité? Ils ont échappé au pire. Hein. Quelle est l'actualité de Chris Guillot? Eh bien, ça repart, des tournées, des galas avec mon magnifique Vegas Band, là, des musiciens hors pair. Voilà, avec qui on travaille depuis pas mal d'années maintenant. Et voilà, donc ça repart sur des scènes françaises. Scènes françaises, des festivals. Chanter Elvis, mais pas uniquement. Alors, le nouveau spectacle, L'ombre des géants, Tom Jones, ouais. Johnny, incontournable, hein, ouais. Et Elvis. Voilà, les trois maîtres. En mousquetaire. Le public va se régaler, hein, c'est génial. Alors, tu as quelques dates, non? Oui. Alors le mois de juin, il est blindé. Là, le mois de juin est déjà blindé. Donc on peut dire que le mois de juin, c'est pratiquement tous les week-ends. Les lieux, je me souviens plus très bien. On est à Bourg-en-Bresse, on est à Dijon, avec on est l'orchestre, avec les musiciens. Ouais. Avec et combien de musiciens? Oui, 14. Ah oui. Voilà. Et donc c'est du plein air, c'est de la salle. Il y a beaucoup de plein air à partir de juin. Juin, oui. Là, il y aura de la salle le 9 mars. Ouais. Le 9 mars, c'est un. Et en France Le 9 mars, je ne suis pas loin. Hein. Je suis à Rueil-Malmaison. Ah oui. Donc, c'est vraiment pas loin. Et c'est une formule plus réduite, qui est ce qu'on appelle la formule Sun, qui est une formule plus, plus rock'n'roll, plus rockabilly, on va dire. De c'est un hommage aussi à ces chanteurs de rock'n'roll qu'on a connus. GGN, Vince, Bill Haley, Elvis. C'est une version très 56. Voilà, ça sera le 9 mars à Versailles. Donc c'est une tournée en France, mais à l'étranger aussi, ou tu restes juste? Non, pour l'instant, il n'y a pas de. En tout cas, c'est un été très chargé. Oui. Puis un départ aux États-Unis aussi. Ah oui. Donc ouais, ça va être un plongeon un peu dans les racines du rock'n'roll, parce qu'on part, enfin on part, là je pars avec ma famille, hein, femmes et enfants, à Nashville. Ah oui. Nashville, Memphis, Nashville. Ah oui. Ouais. Et puis on va descendre un peu jusqu'en Floride, puisque ma fille vit avec un Américain. Ah oui. Mais ils vivent sur Genève. C'est une famille, c'est international. On est un peu partout. C'est comme toi, hein, quand t'es parti. Elle a. Oui, et j'ai dit. Alors je vais te dire. Ça, c'est plus intime. J'ai du mal. Ma fille, si tu m'entends, ma fille, tu me manques. C'est mignon. Oui. Et je comprends ce qu'a pu ressentir mes parents, ma mère. Ouais. C'est je suis un peu mère juive, moi. En tout cas, on a vraiment plaisir à t'accueillir, Armada. Mais moi, je suis ravi. Il n'y a que des belles âmes autour de cette table. Et ça fait du bien de pouvoir partager cette sensibilité. Des vraies personnes. Alors, on termine cette émission avec un autre jeune artiste qui est présent sur ce plateau, qui s'appelle Eddie Kelly. Alors, Eddie Kelly a une vie un peu atypique, quoi. Un parcours un peu incroyable, insolent même. Quelque chose de pas comme les autres, quoi. Hein, c'est un, voilà. Parcours un peu chanceux. Alors, tu vas nous rappeler tout ça. Donc, tu es venu de Polynésie, hein, oui, de cette jolie île de Tahiti. Oui. J'ai quitté mes parents, ma famille, et tu vois. Tu faisais quoi tu es né là-bas. J'étais professeur en lycée pro en anglais et en français. Ouais. À la base, et ensuite j'ai mis une pause et pour pouvoir venir à Paris et chanter. Oui. Non, je sais pas. C'est quel problème de technique? On t'entend pas dans le micro.
Bon, alors on peut changer de micro. Hein. Attends, j'ai l'air ah, du bah voilà, ah, peut-être éteint, ça. Il était éteint. Ah, bah, il était éteint. Bon, alors là, c'est sûr que c'est un petit peu gênant. Hein. Oui. Alors, résumons donc, tu es né en Polynésie. Oui. Tu étais professeur, oui. N'est-ce pas? C'est ça. Et pourquoi bon, après, il y a quand même un déclic. On se dit, ben voilà, je quitte la Polynésie, je vais en métropole. Quel a été ce déclic? Moi, je pense que j'étais arrivé à un âge où j'avais besoin de m'ouvrir. Moi, je reviens du micro. Je suis arrivé à un âge où j'avais besoin de m'ouvrir, en fait. Oui. Parce que moi, je viens de la presqu'île, donc c'est ce qu'on appelle un peu la brousse, la campagne de Tahiti, le côté de la campagne. Et j'ai toujours eu peur du côté urbain, de m'en aller de chez moi, de quitter ma famille, mes amis, mes proches. Et ben, finalement, à je sais plus, 26, 27 ans, j'étais arrivé à un stade où j'étais prêt en fait, pour partir. Et j'ai l'impression que quand on est Tahitien, il y a une période où on a besoin de partir, de découvrir le monde. C'est vrai que beaucoup de jeunes, beaucoup de Tahitiens partent. Oui. En métropole ou ailleurs, aux États-Unis, oui, enfin, au Canada, ouais. En Chine. En Chine également. Oui. Et la plupart, ils partent, tu vois, ils sont prêts assez tôt. Genre, ils partent après le lycée ou même à l'entrée du lycée. Mais pourquoi cette envie de partir? On est pourtant bien là-bas, c'est un peu la carte postale, là, la Polynésie, non? Oui, ben. Est-ce qu'on fait du fromage en Polynésie? Oui, on en fait. Quand j'ai quitté la Polynésie à 4 ans, une fromagère s'est installée et a commencé à faire du fromage avec des vaches de Tahiti. Ah voilà. Oui, il y a des vaches à Tahiti. Et il y a même de la vigne, me semble-t-il, maintenant. Il y a de la vigne, oui. On fait du vin de corail, qui est un très c'est bon du vin rouge c'est du... Il y a du blanc et du rouge. Ah, du vin, hein. Oui. Il y a du moelleux et du sec aussi. Voilà. D'accord. Mm-hmm. Et bien alcoolisé, là, combien votre vin? Ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas, 13. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà. Mais ça bouge parce que le vin, voilà, très très peu de temps qu'on le fait en Polynésie. Hein. C'est ça, oui. Hein. Donc il n'est pas très connu. Ben oui. Mais voilà, ça commence à se faire. Oui. Il est très bu. Et puis il y a des jus. Il est très bu. Pas forcément, hein. C'est surtout dans des événements. Ouais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, surtout le sec. Le sec. Et puis il y a également tous les jus de mangue. Les jus de mangue, d'ananas. Oui. C'est vrai que là-bas, la nature est très riche. Oui, le manioc aussi. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, super. Hein? Puis on y mange bien là-bas en Polynésie. Bien sûr qu'on mange bien. Et puis une belle culture. Les gens sont toujours souriants, on chante, tout le monde chante là-bas. Il y a les fleurs, et puis il y a les colliers, fleurs de tiare, il y a les femmes, et puis tout. C'est vrai que c'est le paradis. Hein, non, mais c'est le paradis. Vu d'ici de métropole. Enfin, en tout cas, c'est le paradis. Oui. Est-ce que c'est vraiment le paradis lorsqu'on y vit? C'est comme partout, hein. Tu sais, il y a des endroits très compliqués aussi en Polynésie. Oui. Et sur laquelle on ferme les yeux, hein, parce que c'est parce qu'on montre au monde. On n'a pas montré ça, hein, comme la Guadeloupe Martinique. On ne montre pas beaucoup tout ça. Je ne veux pas casser l'ambiance. Mais... Non, mais tu as raison, il faut en parler, hein, parce que c'est des choses qui existent en Polynésie. Exactement. Parce qu'en Polynésie, il fait très souvent chaud, alors même si les gens n'habitent pas dans les palaces, ben, ils arrivent à se nourrir. Malgré tout, il y a cette ambiance. Mais enfin, c'est quand même dur lorsqu'on n'a pas suffisamment d'argent pour vivre. Même en Polynésie, le soleil ne suffit pas. Hein, non. Hein. Alors par contre, vous avez un super hôpital là-bas, à Papeete maintenant. Hein. Ah, tu connais bien. Ah, je connais. Ben, j'y suis allé 12 fois en Polynésie. Hein. Je connais un peu, bien sûr. Un grand hôpital extraordinaire. Ben, ça aussi, ça compte. Parce qu'en fait, c'est pour toutes les îles. Hein. Oui. Hein. Je ne sais même plus le nom de l'hôpital. Non, mais ça n'a pas d'importance. Je connais juste le nom de l'une des infirmières. Mais ça, c'est autre chose. Bon, en tout cas, non. Donc, tu as décidé de venir en métropole. En métropole, oui. Et à partir de là, que s'est-il passé? Ben, j'ai commencé à me former à la comédie musicale, surtout parce que c'était ce qui m'attirait. J'avais besoin de voir ce qui m'attirait le plus entre le chant, la comédie ou la danse. Finalement, je n'ai pas pu choisir. Les trois disciplines me plaisent beaucoup. Et après cette formation, bien, j'ai composé à la maison. J'ai commencé à composer mes chansons, à écrire pour mon EP, à faire des spectacles, à intégrer une troupe aussi de comédie musicale. Voilà, tu as fait du cinéma également. J'ai fait du cinéma, exactement. Oui. Tu avais un rôle relativement
assez bon, oui. important quand même. Oui, aussi. Oui, oui, j'avais un bon rôle, le plus grand rôle de ma vie d'ailleurs. Et c'est pour ça que je parle de chance, hein, parce que c'était, j'habitais à Paris, j'étais formé à Paris, mais c'était au moment où j'allais à Tahiti pour tourner mon clip là-bas, ils cherchaient un comédien. Et ils ont vu la bande-annonce de mon clip, ils m'ont contacté suite à ça. Bah c'est vrai qu'il est télégénique, hein, les beaux garçons, et ils chantent bien. Allez, un petit extrait, retourne, allez sur le plateau, oui. on va t'écouter. Bien hein. sûr. Oui. Tu vas nous interpréter différents titres, ça le premier en tout cas. Voilà, alors tu peux te mettre en place, et vous allez voir, vous allez surtout entendre, et vous allez apprécier sans aucun doute ce garçon. Eddie Kelly, c'est à toi, et c'est sur Armada. Chanter par-delà l'océan. Voilà. Bon voyage. Afano Mua Nate Moana Ero Atumi Tua. Le plus immense des océans garde toujours son grand secret. Les peuples l'ont sillonné dans son néant. Hey, découvrant au loin les récifs, si prometteurs, si menaçants, inspirés par les vents actifs et les nuages accompagnants. Au cœur de l'océan, Nate Moana, grâce au chemin d'étoiles, des morphétis à naviguer. Déjà que l'océan à l'horizon dans sa grandeur fit émerger ma demeure. Cœur de l'océan, Nate Moana, grâce au chemin d'étoiles, des morphétis, naviguant sans escale, Afano, jusqu'au rendez-vous, choisis en liberté. Senti par la voix, m'habite pas. C'est une nouvelle paix. Et là, t'es fait nous. Un trésor qui s'offre à nous. Des fanfares. Hey! Afano Imuana, de Moana, Ahiro de Ea, de Malfetia. Afano, Narira, Dero a tu et toi. Demande d'applaudir. Merci. Eddie Kelly, je vous le rappelle, qu'il sera le dimanche 17 mars à 18h30 au théâtre Montmartre-Galabuc, un très très beau théâtre dans le 18e arrondissement. Allez, on va écouter un deuxième titre puisque tu es en place. Hein. Ah ben oui, profitons de ce garçon fort sympathique et talentueux, Eddie Kelly. Un deuxième titre, tu peux nous le présenter, ce oui. deuxième titre ce deuxième titre s'intitule Ultime Voyage. On va continuer de voyager, mais cette fois-ci un peu plus en douceur. Alors. Voyageons.
C'est captivant, c'est un voyage. Ah, c'est un voyage. Oui. Elle est différente de la première. Oui, elle est différente. Ça l'aime Maîtrise Bourdon. Tout à fait. On l'est que de passage. Tout à fait. Ça donne un sens profond aux choses et à la vie. Tu nous as emporté. C'est, merci, merci. Ben, quand je l'ai composé, j'étais en Patagonie. Et on faisait la route au milieu de grands déserts tellement magnifiques. Et j'ai commencé à jouer à la guitare. Cet air qui est devenu Ultime Voyage. Ouais. Elle a quelque chose de magique. Mm. Ça doit venir des paysages. Hein. Je pense que ça vient de l'inspiration, en fait, d'où vient cette chanson. Ça se sent parce que tu as une âme quoi, là-dedans. Hein. Oui, merci. Pardon, oui. J'ai transpi mon âme. Oui, c'est vrai. Alors donc, je rappelle ton actualité. Le 17 mars, c'est important, à 18h30, oui. C'est tout un spectacle, en fait. Hein. C'est une comédie musicale. Hein. Exactement, je joue avec une amie. Avec des décors, avec une amie. Oui. C'est joué, c'est chanté. Oui. C'est plein de poésie. Voilà. Oui, oui. C'est pas la formule concert, c'est plus la formule comédie musicale. Parce que, comme je disais, j'ai les trois disciplines. Donc, c'est l'histoire d'un garçon, d'un Tahitien qui arrive. Qui a besoin de partir, mais pour qui c'est difficile parce que, justement, le fait noie. La terre le retient. La famille. La famille le retient et ils ne sont pas trop d'accord pour qu'il parte. Ce n'était pas mon cas, hein, mais je sais que ça arrive à beaucoup de Tahitiens. Bah bien sûr, comme beaucoup d'artistes, évidemment. En tout cas, moi, j'ai vu le spectacle. Je vous le conseille vraiment. C'est un très, très beau spectacle. Merci. Plein de poésie, voilà, tendresse à la fois et d'émotion avec ce Tahitien à Montmartre. Donc, le 17 mars à 18h30 et le dimanche 5 mai à 19h30. Voilà, tu restes sur place parce que une dernière chanson dans une poignée de secondes. Avec en attendant, plaisir. Je remercie bien sûr nos invités. C'était vraiment, vraiment Thierry, un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Voilà. Bah, je sais, mon cher Christian, c'est un plaisir qui est partagé. Voilà. On a découvert, pour ceux qui ne le connaissaient pas aussi, tout simplement le Paul Thierry Valette, l'artiste, le poète, le comédien. C'est cet homme de cœur également qui est toujours là
avec sa parole à combattre les bonnes causes. Ah oui, exactement, et fidèle à moi-même finalement, parce que voilà, je suis à défendre le même les bonnes causes, à défendre. Voilà, exactement. Et avec les mêmes convictions, la même passion que quand j'étais à mes tout débuts. Mais vraiment, ça fait très très plaisir de te revoir. Mmh. On a toujours gardé le contact. Mmh. Ça fait quelques années maintenant. C'est vrai qu'on a des connaissances communes, on a des amis communs, on a des aventures communes, notamment quand tu m'as fait l'honneur et le privilège de faire partie des membres du... Des membres du jury pour les tremplins. Mais tu te rappelles. Et donc, c'est émouvant, c'est un beau cadeau que tu m'as fait. C'était vraiment un super cadeau d'avoir accepté mon invitation à Armada. Hein. Merci infiniment, Paul-Thierry Valette. Il y avait également Chris Agulo, notre Chris Agulo. Hein. Même famille, famille d'artistes, homme de cœur, Merci. Il a parlé avec beaucoup d'émotion. Aujourd'hui, il a vraiment son cœur et c'était très émouvant. Merci infiniment. Merci à toi parce que c'est toujours... Je dis bien toujours une cœur de jouvence. Là. C'est on a magnifique. Parlé sérieux aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas toujours de l'infantaisie, mais il y avait de la vérité aussi. Et puis, il y a une bonne cause à défendre. Il y a cœur, suivre de très près le cœur en parlé. Parlant de nos agriculteurs. Hein. Alors, Rabat, que dire de Rabat? Qu'est-ce qu'on peut dire du boss? Pas plus que les autres. Hein. Oui, simplement, merci à toi de m'avoir offert ce plaisir d'être sur ce plateau. Voilà. Et puis, je tiens également à remercier notre réalisateur, vraiment, parce que une fois de plus, il a fait un travail extraordinaire, Timmy. Hein, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, et j'espère qu'on va l'avoir pour très très longtemps sur nos plateaux et dans nos émissions. Merci, Timmy. Voilà pour ton professionnalisme. Et puis, on va terminer en chanson. Oui. Voyageons encore un peu, avec Eddie Kelly, notre Tahitien. Qui arrive de là-bas et qui va chanter pour nous Armada. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, samedi prochain, avec, en principe, notre ami Julien Lepers, qui sera là en tant qu'invité. Il y aura d'autres artistes aussi. Vous l'avez compris, il y a de la surprise, il y a de l'émotion, il y a de l'amour aussi, surtout, Armada. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Place à la musique avec Eddie Kelly. Et ça, c'est pour maintenant. Par simplicité ou non, on répartit les gens dans des cellules comme celles des prisons. On pense aider ou non, mon Dieu c'est affligeant ou ridicule, et si l'on ouvrait l'horizon. Je danse, je chante, je joue la comédie, tout ça m'enchante, musical comédie. Pas dans ma case, non, garde-t'en, nous casse-t'en, ma vie reste libre, vise mon équilibre. Pas dans ma case, non, garde-t'en, nous casse-t'en, ma vie reste libre, vise mon équilibre. Tato upo uro aite ie mahana faro o mai nata ure o itie. Je danse, je chante, je joue la comédie, tout ça m'enchante, musique à comédie. Pas dans ma case, non, garde-t'en, nous casse-t'en, ma vie reste libre, vise mon équilibre. Pas dans ma case, non, garde-t'en, nous casse-t'en, ma vie reste libre, vise mon équilibre. Même si j'ai un style, une façon à droite, soyons subtils. Je veux enfin une boîte, je veux enfin des chaînes, par-delà les entraves des envies prochaines. Être mon maître, esclave. Tahi, toi, tamou. Enfin des chaînes, par-delà les entraves des envies prochaines. Être dans ma case.
casse ton ton. Ma vie reste libre, vise mon équilibre. Oui, dans ma case, case bonbon, fais ton casse ton ton. Ma vie reste libre, vise dans l'équilibre. Hey, je danse, je chante, je joue la comédie. Tout ça m'enchante, musique à comédie. Je veux enfin des chaînes, pas de la laisse, entrave des envies prochaines. Hey, basta casse. Merci.